L'heure est grave parce que. Et j'ai même pas de retour, c'est super. L'heure est grave. Enfin, me faites pas faire tout ce que j'aime, ça, c'est pas grave. L'heure est grave parce que. On va mettre des matchs d'exhibition pour que je puisse vous parler. Donc, c'est un tube en tweet. Triple menace normale. On va simuler. On va, je vais vous expliquer. Là, déjà, je vais mettre. En fait, ce que je vais mettre là, comme fond. Parce que finalement, l'important dans ce live sera de m'écouter et pas. Et pas. C'est pas ce qu'il y a à l'image qui est important, c'est surtout ce que je dis qui est important. D'où le nom du live. Ce qui est assez ironique de parler de ça. C'est ironique, en fait, ce que je vais dire va être assez ironique que ce soit ça en live, alors que bon, voilà. Je vais tout vous expliquer dans un instant quand je vérifie la configuration du match. Parce que je vais mettre les matchs. Bah, tout simplement qui auront lieu. Oh, Survivor Series. Voilà. Donc, Bayley contre Becky Lynch. Contre. Alors, est-ce que Shayna Baszler est dans le jeu? Oui, elle y est. Bien entendu, on va pas faire ça à Money in the Bank, hein. Comme vous doutez pourquoi. On va faire ça au Survivor Series, voilà. Non, grosse tête, on s'en fiche complètement, hein. On va pas. Non, voilà, il n'y a pas besoin. Non, on va pas mettre les entrées, par contre. Le momentum, oui, rapide. Non, 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 pas d'entrée. Non, rapide, j'ai pas très envie que ça dure 300 ans non plus. Voilà donc, configuration de ce match-là. Est-ce que ça va être prémonitoire concernant ce qui va se passer? Je ne sais pas. Ah, j'aurais pu faire un live, mais bon, soit test sur Touquet 19, hein, mon live à vue, puisque je ne possède toujours pas Touquet 20. Mais bref, c'est pas la question de ce live-là, de cette rediffusion, ou de cette rediffusion que vous allez voir, mais à mon avis, vous allez surtout à la rediffusion, puisque là, j'ai personne de toute façon sur le live, et bon. C'est des vidéos surtout pour la rugby. Et donc, oula, attendez, le son de la foule m'a l'air un peu fort. Est-ce que je peux le baisser? Est-ce qu'on peut baisser le son? Non, pas par là. Mince. Et non, pas ça. Mince. On peut pas baisser le son? Triple threat rules. Well, that was an oxymoron. There's nothing traditional about a triple threat match. Gentlemen, you can almost literally feel the electricity. Ah, c'est pas si vous allez m'entendre correctement, parce que la foule m'a l'air un peu fort. Excusez-moi. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est-à-dire que ça, c'est, de toute façon, ça se voit avec la rediffusion du live de Resident Evil Rebirth. Excusez-moi. Je suis avec le même genre d'adoration dans Resident Evil Rebirth. Il s'avère que. Il s'avère que voilà, c'est. Que j'ai un problème de connexion, voilà. Je sais pas d'où peut provenir le problème. Mais j'ai un problème en tout cas. Voilà. Je vous explique quel est le problème. En fait, quand je fais un live, et ben ça coupe. Trop peu de temps sur le début. Ça met live mais ça coupe. Même quand je mets la configuration minimum en fait. Donc voilà. Et je ne sais pas d'où peut venir le problème parce que j'ai la fibre optique, donc une très bonne connexion. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est la meilleure connexion qu'on peut avoir avec une box internet. La fibre optique, donc voilà. J'ai un comment ça s'appelle ? Un répartiteur wifi parce qu'en fait je vous explique le truc. Dans ma maison en fait j'ai un étage, voilà. J'ai rez-de-chaussée et l'étage, c'est tout, j'ai qu'un étage, j'en ai pas 35, j'en ai qu'un seul étage. Et il s'avère que moi la console elle est à l'étage en fait. Donc voilà, elle est à l'étage et tout, et donc voilà. Elle est un petit peu loin en fait de la box. Enfin du. Bon ouais voilà, de la box et tout. Ce qui fait que. Au niveau wifi, bon, effectivement, vu qu'elle est un peu loin, il peut y avoir des problèmes. Mais néanmoins, enfin un peu loin, elle n'est pas non plus à 3 km, hein, faut pas, voilà. Mais elle est un peu loin.
Et donc j'ai acheté en fait très récemment bah, c'était cette semaine d'ailleurs, j'ai acheté un répétant Wi-Fi que j'ai installé tout, j'ai configuré, y a pas de souci. Et ça vient sur répétiteur Wi-Fi, sur répéteur, non, sur répéteur, sur Wi-Fi. Un répéteur Wi-Fi de marque d'ailleurs, soyez importants. Et bien, il s'avère que ce répéteur Wi-Fi, et bien, il s'avère que ce répéteur Wi-Fi, quand il fonctionne, il n'y a pas de souci. Et bien, permet à ce que la connexion soit optimale, même en haut, en fait, même à l'étage. Parce qu'à l'étage, la connexion n'était pas, était pas mauvaise, mais elle était quand même bien plus faible qu'en bas. Voilà. Donc du coup voilà. Et là maintenant elle est quand même bien plus puissante que dans l'étage. Elle n'est pas au maximum, mais elle est quand même bien plus puissante. Genre si je peux vous donner un exemple, elle était par exemple, on va dire que en haut avant, en fait j'avais 3 barres déjà, j'avais 3 barres de connexion sur 4 en haut. Maintenant j'en ai 4. Voilà, maintenant j'en ai 4 avec le répétant Wi-Fi, j'ai 4 barres. Et donc voilà, et avec tout ça en mettant le répétant Wi-Fi, du coup ça fait une meilleure connexion. Mais il s'avère que même si je branche le répétant Wi-Fi en filaire sur ma console, et bien ça prend quand même. Alors que le répétant Wi-Fi me permet au maximum, en branchant avec un câble Ethernet sur ma console, j'ai atteint au maximum, je crois environ 80 mégabytes. Par MB par seconde, environ 80 MB par seconde. Pour le téléchargement en amont, j'ai atteint environ, je crois que le maximum que j'ai atteint c'était 45. Voilà, je crois que c'est 45 le maximum que j'ai atteint, 45 MB par seconde. J'ai 1 MB par seconde, et c'est 80 MB par seconde pour le téléchargement normal. Je crois que c'est plutôt 85. Bref, donc voilà, j'atteins des trucs comme ça. Donc une grosse connexion de ouf en fait. C'est une grosse connexion de psychopathe que j'atteins. Donc voilà. Et donc, voilà. Donc du coup la connexion a augmenté en haut. C'est-à-dire que tout ça c'est confirmé par les autres appareils que j'ai, qui du coup maintenant ont une bonne connexion internet dessus. D'ailleurs j'avais ma Switch qui captait même pas internet depuis là où je joue à la PS4, et qui avec le répétant Wi-Fi elle le capte nickel chrome quoi. Elle capte très bien internet. Donc voilà. Et capte internet très bien la Switch. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, je sais plus ce que je disais. Donc voilà. Mon répéteur Wi-Fi, c'est un répéteur Netgear. Et ma box qui me fournit internet, donc c'est une Freebox. En fait, c'est la Freebox Mini 4K. Donc voilà. Et donc du coup, voilà donc et donc avec tout ça, même en branchant, comme je vous l'ai dit, avec les 80 MB par seconde en téléchargement et les 40 et quelques MB par seconde en téléchargement en amont, ça ne marche pas. Il y a trop de bugs et tout. C'est quand même dingue, j'ai envie de dire. Non mais franchement c'est fou. Il arrive encore à avoir des bugs malgré pourtant que j'ai une grosse connexion de ouf. Et honnêtement je comprends pas pourquoi. Donc je vous demande, je vous en supplie, vraiment je vous en supplie, j'espère que vous aurez une solution. Même si là, je vous fais cette, en fait, ce podcast finalement. Même si là, vous voyez Rodney, vous allez vous dire, mais attends, je veux une solution et pourtant, t'as réussi à faire ce live là. Comment ça se fait? Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, j'utilise tout simplement la connexion 4G de mon iPhone. Donc voilà, la connexion. C'est le partage de connexion 4G de mon smartphone que j'utilise. Donc du coup voilà, et bienvenue à toi qui vient d'arriver sur ce live. Donc voilà Vavan, le winner, parce que t'étais là tout à l'heure sur Resident Evil. Oh my goodness, this hurts. Oh.
Donc voilà, Tanner Vavan, si t'as une solution pour le problème de connexion, franchement, je suis tout ouïe, hein, parce que là... Ça va. Ben, on va dire que physiquement, oui, ça va, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, moralement, je vais te dire, je suis très énervé. Voilà. Pas contre toi, évidemment. Hein. Mais je suis très énervé sur ma connexion. Non, je sais pas. En même temps, tu viens d'arriver, t'as pas écouté tout ce que j'ai dit, donc... Bon, bah, tu verras la rediffusion, c'est pas très grave. Donc voilà. En gros, j'ai plein de problèmes de... Quoi, si? Et là, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que là, en faisant un partage de connexion 4G sur la console, c'est que ça semble marcher, là. Et ouais, c'est en train de fonctionner. C'est ça qui m'étonne. Là, alors que la puissance de la connexion 4G, c'est ça depuis le début. Ah bon, donc t'as entendu tout ce que j'ai dit. Pratique. Donc là, je suis en train... Oula, je vais me moucher, je reprends... Je reprends juste après, je vais me moucher. Voilà, c'est mon tour. Donc, pratiquement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends absolument pas. C'est que. Quoi? Sois con, ta Vavan. Pourquoi tu m'as pas en visite pratiquement? Ah, t'es là depuis pratiquement le début, d'accord. Ouais, donc. Comme tu peux le voir du coup Vavan, et comme vous pouvez le voir vous à la rediffusion. Non, vous pouvez pas le voir à la rediffusion, je suis bien con. Enfin si, vous pouvez le voir parce que ça n'a pas coupé, tout simplement, mais Bref. Comme c'est en train d'être le cas là en ce moment, avec le partage de stockage et ça fonctionne, ça ne plante pas. C'est quand même étonnant. Alors qu'avec la fibre optique. Alors qu'avec la fibre optique, ça plante. C'est quand même incroyable, j'ai envie de dire. Franchement, c'est incroyable. Avec la fibre optique, ça plante. C'est, voilà. C'est dingue. Franchement. On t'entend pas bien avec le son jeu. Bah, je m'en doutais un peu. Bah, j'espère que là, le match va être bientôt fini pour que je puisse peut-être baisser le son de la foule. Là, je crois que ça se fait que dans le menu principal, malheureusement, donc... T'as un peu vu que le match soit bientôt fini. Ah non, sont où, là, les trois, là? Ah bah, ça va, sont... Enfin, ça va. Dans le rouge, il y en a une qui va peut-être tarder à finir. Elle est peut-être là, non. Voilà. C'est revenu. Ouf, j'ai eu peur, là. J'ai eu peur, parce que quand j'ai vu que là, sur mon retour, là, j'avais du masque avait figé, ouf. Non, ça finit par revenir. Ouf, oula, oulala. Ouais, donc quand je vois qu'avec la 4G, ça fonctionne, ça semble fonctionner. Alors que, quand je vois, alors qu'il y a 10 fois moins de puissance. Je veux dire, 2 mégabytes par seconde. Voilà, c'est fini, j'ai pas réglé le son. Ouais, donc je disais, quand je vois qu'avec la 4G, il y a 10, donc c'est Bendy qui a gagné, là, quand même. Est-ce que moniteur pour ce soir? Réponse demain. Enfin, réponse dans la nuit, quoi. Donc, on va quitter. Ouais, donc j'étais en train de dire. Putain, c'est en train de m'attendre tout le temps. Ouais, donc avec la 4G, j'ai essayé de baisser le son du jeu. De la foule. Alors, où est-ce qu'on pourrait baisser le son? Non, c'est pas là. Ah, volume audio, voilà. Environnement, commentateur sans présentateur ring, on va... Ouais, je pense que là, comme ça, ce sera bien. On va peut-être même baisser les commentateurs pour m'entendre parler. Voilà, on va faire comme ça, voilà, on va faire comme ça, allez. Parce que présentateur ring, on s'en fiche, puisque je mets pas les entrées. Donc j'espère que là, ça va être mieux. Donc, j'étais en train de dire, ce qui est assez dingue,
c'est que on va lancer un deuxième match. Cette fois-ci, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, qui a d'ailleurs obtenu hier soir un tout nouveau titre intercontinental. Intercontinental, oula, j'ai ma voix qui part en vrille maintenant, c'est pas possible ça. Contre le champion nord-américain, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Ah, je suis navré là. Je suis un peu bête. Alors, Survivor Series. Désolé. Ah mince. Ah oui, Roderick Strong, c'est ça. Roderick Strong. Alors, est-ce qu'il était dans le jeu? Ce bon vieux Roderick Strong. Roderick Strong. Voilà. Moins de temps rapide son entrée, c'est bon. Bien. Donc. Ah. Soit c'est le chat qui a bugué, soit Vavan est parti. Je ne sais pas. Bon. Donc, j'étais en train de dire. C'est dingue qu'avec la 4G. Alors qu'il y a 10 fois moins de puissance, puisque quand on voit. Parce que quand on voit. J'espère qu'on m'entend mieux là. Quand on voit. Quand je vois en fait. Que j'ai une puissance 10 fois supérieure en branchant le comment il s'appelle le répartiteur Wi-Fi ou le répéteur, je sais pas quel bon nom, sur la console directement en branchant avec le fil Ethernet. Qu'on soit 10 fois plus de puissance, mais que la connexion ne tient pas du tout. Alors qu'avec la connexion 4G, avec le partage de connexion en 4G, que j'ai 10 fois moins de puissance dans l'interconnexion, et pourtant la connexion tient. C'est dingue quand même. Franchement, je trouve ça dingue. Et j'ai mis un SmackDown, mais quel con, j'ai pas mis ça, c'est pas grave. Et donc voilà. Je comprends même pas pourquoi là avec la 4G ça fonctionne alors que sans 4G ça fonctionne pas. C'est dingue ça quand même. Donc voilà. Ensuite, là le problème c'est que bon, ça semble fonctionner avec la connexion 4G, donc honnêtement je vois vraiment pas d'où ça peut venir le problème, parce que c'est quand même. Si encore ce serait l'inverse, c'est que la connexion 4G, la connexion serait bien plus puissante qu'avec la connexion Wi-Fi et tout. Là, la rigueur, ça le comprendrait. On dirait, bon, bah, c'est la connexion qui n'est pas assez puissante, ok. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. Le live fonctionne mieux avec la connexion la moins puissante des deux, en fait. Avec la moins bonne connexion, ça marche. Avec la meilleure connexion, ça marche pas. Je trouve ça assez dingue, franchement. Et honnêtement, je ne vois vraiment pas ce qui explique cela. Donc voilà. Franchement, je ne sais pas du tout ce qui peut expliquer ça. Et ça tendance à m'énerver. Ça veut dire que les lives, je vais devoir les faire via le partage de connexion 4G. Sauf que, j'ai pas un forfait limité. Ce qui fait que du coup, ça veut dire, tant que je serai dans le forfait, ça ira. Mais quand je serai plus dans le forfait, je ne peux pas proposer de live avec la 4G. Ce sera pas possible. D'autant que je ne sais pas combien de. Enfin, d'autant que je ne sais même pas, en fait, ça prend quoi, combien de connexions de faire ça, en fait, de faire un live. Si je savais encore, je pourrais éventuellement faire là il y a un truc 4G, donc je pourrais m'organiser, mais je ne sais pas. Et là, évidemment, avec comme à la boutique je suis, j'ai même pas regardé avant le live, j'étais à combien au niveau de la connexion 4G. Je suis complètement con, j'aurais dû aller voir. Donc voilà. Donc voilà.
Je crois que c'est bon, je crois que j'ai fini mon message. Il me semblait pas que j'ai autre chose à dire. Je crois que c'est déjà fini. Un. Et deux. Non, il n'y a pas de quoi quand même. Simplement deux. Ouh, le Styles clash. Non mais ça était quand? Il va être ton stade 4, il fallait virer la caméra du ring avant de tomber. Bon, est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Donc voilà, donc si vous avez une solution, alors une solution qui ne me force pas à utiliser la 4G, hein. Ne me contraigne pas à utiliser la 4G, parce que bon, j'ai pas envie d'utiliser la 4G tout le temps, encore une fois, j'ai pas un forfait limité. D'autant qu'en plus en ce moment c'est un peu ric-rac au niveau argent pour moi, donc bon. J'ai franchement pas très envie de dépasser pour vous forfait quoi. Après encore une fois il faut que je vois ce que ça donne quoi, combien ça prend et tout quoi, parce que sinon voilà. Donc voilà. Voilà. Si avant ce live, j'avais regardé, c'était à combien en matière de consommation de 4G, et que j'aurais retourné voir après, là au moins j'aurais pu avoir une idée, mais là malheureusement j'ai pas été voir avant, donc ça va être compliqué. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ben je ne crois pas. Est-ce qu'on va arrêter ce live ici? Je ne sais pas. Mais c'est quand même dingue de voir que là, ça marche quand même avec la 4G. Ça marche, alors qu'avec ma connexion qui est pourtant plus puissante, ça marche pas. Bon, après, j'arrête pas de me répéter, donc peut-être mieux que j'arrête là. Mais voilà, en tout cas. J'espère vraiment que vous aurez une solution à m'apporter. Je l'espère vraiment. Donc voilà, quoi, j'espère vraiment que vous aurez une solution à m'apporter, quoi. Parce que franchement, ça me plaît pas du tout. Parce que ça veut dire que si vous n'avez pas de solution, je dois faire des vidéos hors live. Autant sur des jeux où, voilà, je fais des trucs qui prennent pas trop de temps, quelques petites choses et tout. À la rigueur, oui, ça peut aller. Mais sur un jeu comme Resident Evil, par exemple, où je préfère jouer plus longtemps parce que, voilà, en une heure, j'avance pas beaucoup, en final. Puisque, me connaissant, mes talents de joueur, faut qu'en une heure, j'ai le temps de mourir plusieurs fois et donc du coup j'avance quasiment pas. Voilà. Non mais c'est vrai. Et que au final, ça rendrait la vidéo forcément. Excusez-moi, je m'embrouille là. Au final, ça rendrait la vidéo totalement inutile parce que bon, voir une vidéo d'un joueur qui pendant une heure joue à Resident Evil mais qu'il se fasse tuer plusieurs fois, ce qui fait que du coup il avance pas ou quasiment pas dans le jeu. Voilà quoi, c'est au niveau de jeu. On avance que le 5 minutes de... C'est en une heure de jeu. Au final, on avance que le 5 minutes... Ben, dans le jeu. Voilà, quoi, c'est pas la peine. C'est comme si, je sais pas, moi... Quel exemple pouvez-vous donner? Je sais pas, moi... C'est comme si, par exemple, admettons, dans un jeu Sonic. Alors, non, je dis n'importe quoi, hein, parce qu'à mon avis, il faudrait faire exprès pour faire ça, sur mon exemple. Mais admettons, dans un jeu Sonic... Vous jouez pendant 10 minutes et vous en êtes qu'à Green Hill Zone acte 2 par exemple. Dans Sonic 1. Alors que ça fait 10 minutes que vous jouez quoi. Et qu'en une heure, vous vous retrouvez genre au deuxième monde quoi. Franchement, c'est pas la peine quoi. Une heure pour arriver au deuxième monde, c'est pas la peine quoi. Bon après, évidemment, mon exemple est exagéré, mais c'est juste pour que vous compreniez bien ce que je veux dire en fait. Juste pour avancer, c'est pas assez avancé en une heure quoi, je veux dire. Alors qu'en live... En live, ça fait une vidéo, certes, à la fin, pour la rediffusion. Mais néanmoins, la vidéo, elle s'arrête pas au bout du... On avance, quoi. C'est-à-dire plus longtemps, mais on avance, en fait. Je préfère vous proposer un contenu où au moins, quitte à mettre plus de temps, où j'avance quand même. Ou à la fin, je veux dire, du live ou de la rediffusion, de la vidéo et tout, à la fin, en fait, on est avancé. Un petit peu quoi, qu'on avançait d'un peu plus. Genre pour mon exemple de Sonic,
peuvent vous proposer un contenu ou quitte à jouer 3 heures ou au moins ça soit au 3ème ou 4ème monde en fait. Voilà. Mais tout ça en une seule vidéo parce que voilà, quitte à ce que ça soit plus long. Parce que vous proposez une vidéo où j'avance pas, ça sert à rien. Moi je trouve que voilà, autant que c'est normal d'être bloqué et tout, hein, c'est voilà, mais au moins que qu'on avance un minimum, voilà. Donc du coup, vous faire des vidéos en live de Resident Evil HD Remaster, Rebirth HD Remaster, voilà, c'est pas la même mayonnaise, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais dire? Honnêtement, j'en sais rien du tout en fait. Je réfléchis, attendez, je réfléchis un peu. Est-ce que j'ai tout dit? Quoi, je veux dire, autant regarder un joli minois hein, pendant que je vous parle. Avec Alex Sablis en l'occurrence, d'ailleurs Alex Sablis qui est en voie de disparition, hein, on sait pas où elle est passée. Elle est absente pour raison inconnue, c'est super. On ne sait absolument pas pourquoi elle est absente. Une absence qui ressemble plus à une inutilisation plutôt qu'autre chose. Enfin bon, bref, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Ouais, donc voilà, donc je vous disais, voilà. Donc si vous avez une solution, dites-le moi en commentaire de cette vidéo, de cette rediffusion, ou alors dites-le moi sur n'importe quelle autre vidéo ou rediffusion de live, ou enfin n'importe où en fait sur ma chaîne, ou sur mon Discord, dont vous pouvez accéder via ma chaîne, hein, simplement. Le lien de Discord est présent. Et puis voilà, quoi, je crois que c'est tout. Hein. J'espère vraiment que vous aurez une solution. Ou du moins, je sais pas, vous direz, non, le Freebox c'est pourri. Par exemple, que quelqu'un me dise, le Freebox c'est pourri, c'est pas vraiment très bien, la connexion est pas stable. Enfin voilà, c'est un pire truc, c'est normal que ça bug. Enfin voilà. Si quelqu'un me dit ça déjà, et qui peut vraiment en témoigner, voilà, à la rigueur, je pourrais me dire, ok, donc ça doit venir de la Freebox, je crois que là, il n'y aura pas trop de solutions. Voilà. À la rigueur, je pourrais dire ça. Ça m'étonnerait quand même que ça soit ça, mais bon. Sait-on jamais, hein? Peut-être que c'est la qualité de la Freebox qui est pourrie au final. Hein. Enfin bon. J'attends vos avis, j'attends vos éventuelles solutions. Enfin voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire avant de vous laisser? Non, pas vraiment. Je crois que j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire. Je réfléchis bien. Non, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire. Ah là oui, d'ailleurs, je crois que ce contre-temps, eh ben, ça va foirer mon... Ben, mon envie de finir Resident Evil 1 HD Remaster avant le mois de décembre, en fait. Donc, voilà. On est le 24... On est le 24 novembre. Voilà, je veux dire. Et donné qu'on est le 24 novembre, eh ben... La semaine prochaine, c'est le 1er décembre, donc... je crois que c'est fichu, en fait. À moins que j'arrive à finir le jeu samedi au maximum. Honnêtement, j'ai peu d'espoir là-dessus. Mais c'est incroyable quand je vois que ça tient le coup. Bon, bref. Voilà quoi. Encore une fois, écoutez-moi juste. Ne regardez pas ce qui se passe à l'écran. Voilà. Bon, ok, je vais mettre en live. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas que j'ai autre chose à vous dire comme ça dans les médias. Je pense qu'on va se laisser. De toute façon, ce live n'avait qu'un but informatif sur ma chaîne et c'est tout. Et ça, je vais vous dire que ça me dérange vraiment parce que du coup, j'avais prévu un live spécial pour un événement en fin janvier. Je pense que si vous farfouillez un petit peu sur ma chaîne, vous pouvez savoir quel est cet événement.
Mais bon, voilà, à part ça. Après, si cet événement est foiré à cause de ça, ça, franchement, ça va me faire chier. Je vais vous le dire. Ça va me faire chier, mais bon. Que voulez-vous? Donc voilà, au lieu de farmer, d'essayer de meubler, sauf que ça n'a aucun intérêt de meubler, je suis pas dans une émission de télé où il y a quelque chose qui s'est passé dans l'émission et qui fait que du coup une séquence ne peut pas avoir lieu, ce qui fait que du coup il y a un trou dans l'émission et qu'il faut meubler. Ou du moins qu'il y a un problème technique qui rend une séquence, qui retarde une séquence, enfin, je sais pas, bref, on n'est pas dans une émission de télé là, donc je pense que je vais vous laisser là. Je réfléchis juste une dernière fois si j'ai autre chose à vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de faire des lives. Je vais essayer de vous faire des vidéos hors live, du coup. Voilà quoi. Je vais essayer de vous faire des vidéos hors live. Voilà, je vais essayer de vous faire des vidéos hors live. Histoire quand même de pouvoir un petit peu. Entre guillemets. Nourrir ma chaîne, on va dire ça comme ça. Puis voilà quoi. Je vais être obligé de toute façon, et le problème c'est que ça sera seulement sur PS4 quoi. Peut-être dans les prochains jours il y aura peut-être moyen que je fasse sur une autre console. Je verrai ça, voilà. Et voilà, on verra ça quoi. Donc voilà. Allez, on va se laisser là. Voilà, donc on va se laisser là. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour la rediffusion. Je remercie Vavan le winner d'avoir été présent sur ce live. Même si pour être honnête, c'est pas très utile, voilà. Et enfin, je vous remercie par avance, même si bon, malheureusement, bah, j'ai la malchance d'être sur une chaîne où ma communauté n'est pas très active. C'est pas contre vous, hein, je dis pas ça contre vous, hein, les viewers et tout, hein, c'est pas. Voilà. Je comprends que vous soyez pas très actif et tout, hein, je vous comprends très bien, y a pas de souci, je vous le reproche pas, hein, d'être pas actif, hein, je ne vous reproche absolument pas, hein. Pour le peu de personnes qui sont actives, déjà je vous remercie d'être actif, mais voilà. C'est pas une reproche, hein, que je fais, hein. C'est vraiment pas une reproche, c'est juste que c'est une constatation. C'est pas une reproche, hein, c'est juste parce que je suis une petite chaîne, c'est pour ça en fait, voilà. C'est que cette chaîne-là est une toute petite chaîne, et donc malheureusement, c'est normal, c'est très normal que vous soyez pas très actif sur ma chaîne, voilà. Je vous comprends très bien, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une reproche, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vous remercie quand même par avance pour les éventuelles solutions que vous me donnerez. Et les éventuelles remarques et tout que vous me donnerez. Pour m'aider à résoudre mon problème de connexion. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc je vous dis bye bye. Et à la prochaine, et j'espère que je vais pouvoir refaire des lives. Franchement. Allez.